Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Urban Dance, nouvelle chorégraphie. On va travailler sur le son Because of You de Neyo. Donc c'est un son R&B. Je vous ai fait une petite chorégraphie un petit peu péchue dessus, avec des accents, avec pas mal de contretemps, des choses comme ça. Donc on va commencer simplement par décomposer la choré step by step. Vous pourrez revenir après avec le curseur en arrière, en avant, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Et ensuite, vous ferez la choré de A à Z sur la musique. On est parti? Let's go. Alors, pour commencer, on va reculer avec le pied droit, droite, gauche. À ça, on va rajouter les mains devant croisées. Donc la main droite est croisée sur la main gauche. Le bras droit, l'avant-bras droit est croisé sur l'avant-bras gauche. Donc ça part comme ça. Et droite, et gauche. Et là, boum, je viens resserrer les deux jambes et faire un cercle avec l'épaule droite. On repart. Et 5, 6, 7, et 1 et 2. D'accord? Et ensuite, j'ouvre, jambe droite toujours. 3 et 4. D'accord? Encore du début. Et 5, 6, 7 et 1 et 2. Ouvre 3 et 4. D'accord? D'ici, on va faire 5 et 6. Donc, avec les deux mains qui sont au-dessus de la tête, je vais pousser la jambe droite derrière, comme si je faisais un arc de cercle. Donc, ça fait 5 et 6 pointes de pied devant, genou gauche. Et ensuite, je vais tendre 7, tendre la jambe gauche, 7 et 8. Je change simplement d'appui. D'accord? D'ici. 5, 7, 6 et 7, pardon. 5 et 6, pardon. 7 et 8. Du début lentement. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. Un petit peu plus vite. 7, 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. On continue. Ça, c'était le premier 8. Le deuxième 8, on a fini ici en changeant de point d'appui. D'accord? Et ensuite, on enchaîne d'ici, jambe droite devant. Ça nous fait et 1, 2, 3 et 4. Attention à celui-ci, il y a vraiment un côté dynamique et ensuite lent. Ça fait et 1, 2, et 3, et 4. Donc à 2, 1, 2, les jambes, les deux pieds se rassemblent et je vais pousser la jambe droite à droite et passer sur la pointe de pied à gauche. Ce qui nous donne, je fais un petit tour ici et 1 avec les bras. Et 1, 2, 3, et 4. D'accord? 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 4. Ici, on va ramener le coude. 5 et 6. D'accord? On se retrouve de côté. Et là, vous allez me faire 7 et 8. Alors, dans les jambes, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Ça fait boum, boum. D'accord? Regardez bien les jambes. Boum, boum. De base, je vais simplement gauche, je vais simplement croiser la jambe droite derrière. Ça fait ça. Boum, boum. D'accord? Encore une fois. Boum, boum. À ça, je viens rajouter un effet de style. Ça veut dire que je vais rentrer le talon vers l'extérieur, ce qui nous donne boum, boum. D'accord? Encore une fois. Boum,
Boum. À ça, je vais rajouter un effet au niveau des épaules. Boum, boum. D'accord? Donc, tu as à la fois les jambes et à la fois un mouvement où tu pousses avec l'épaule, ce qui nous donne. Boum, boum. Ok? Tu vois qu'il se passe un truc au niveau des épaules. Encore une fois. Et 1, 2. On reprend ça du début. Il y a 2, 8, 5, 6 et 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. D'accord? Donc entre celui-là, pam, 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 tu anticipes, boum, boum, boum. Encore une fois, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Ensuite, troisième 8, tu finis ici et on va simplement revenir. Ça fait 7 et 8 et 1. D'accord? On va tourner ici. Et 1, 2, en bas, en haut. Et 1, 2, 3 et 4. Donc ce mouvement est un peu lent. 1 et 2, 3 et 4. Ensuite simple. 5, 6, 7 et 8. On a une vague ici. D'accord? On reprend le dernier 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. On reprend du début et on enchaîne les 3, 8. 5, 6, 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Dernier 8. On finit ici. On a fait une vague. 7 et 8 repart. Jambe gauche avance un petit peu vers l'avant et vers la gauche. Ce qui nous donne 1, 2, 3 et 4. Donc, concrètement, ça fait pied gauche, pied droit, la jambe gauche passe devant la jambe droite, gauche, droite, avance, gauche. Si je dois uniquement compter dans les jambes, ça fait gauche, droite, gauche, droite, gauche. OK? Encore une fois, avance à gauche, pied gauche, gauche. Droite, gauche, droite, gauche. D'accord? Maintenant, on rajoute les bras. Ça fait gauche, droite. Donc, si vous regardez bien, quand je fais pas à gauche, j'active la main droite. C'est-à-dire, c'est comme si je montre avec ma main gauche que je fais une vague avec la main, avec le bras droit. Ce qui nous donne 1 et 2. Et 3 et 4. Encore une fois, doucement. 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. Il y a aussi un mouvement au niveau des bras au-dessus de la tête. Ça nous donne. Et 1 et 2 et 3 et 4. Une fois que j'ai fini à 4, 4, je vais pousser mes épaules en arrière. 5 et 6. Et là, je repars en arrière, jambe droite. 7 et 8. Donc, je rentre mon buste, pardon, vers l'arrière. Boum, boum. En activant la jambe droite. Ça fait droite, gauche. Et on a terminé. Une fois du début jusqu'à la fin.
Et ensuite, on essaie ça en musique. Et 5, 6, 7, et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Encore une fois, lentement, et après on fait ça en musique. Et 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3, et, boum, pousse, et, ouvre, change d'appui, devant, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Terminé. On essaie ça en musique? L'ensemble de la chorégraphie, à vous de prendre le temps. Donc au début, prenez le temps sur ce sur quoi vous avez du mal, vous revenez en arrière, vous travaillez bien chaque step, et ensuite vous faites l'ensemble sur la musique. N'hésitez pas à vous filmer et à balancer tout ça sur le Facebook ou Instagram de l'Orange Bleu Beno. Je compte sur vous. Allez, bon cours. Salut.